T'étais pas en train de fouiner, là, hein? 18. On a assez à faire sans déterrer cette vieille histoire. Faire atterrir l'avion et livrer Myers. Mais abattre l'avion en plein vol, puis la traquer comme ça, ça faisait pas partie de notre accord. Maintenant que cette histoire de maintenance est réglée, qu'est-ce que tu disais de partir à Moth, histoire de te détendre un peu? J'ai déjà une bouteille, une de celles que je garde pour les grandes occasions. Qu'est-ce que t'en dis? Le budget en mission, c'est toujours de l'attente. Ouais, bah oui, grave. Ok. J'ai une mission à Night City et... Le problème c'est que j'ai peur que si j'attends trop... Bon. Bien sûr. Perso, j'ai déjà commencé. Ça m'aide à rester calme. Merci pour l'invitation. Content de te voir, Alex. C'est gentil de ta part. Je t'ai écrit parce que... j'avais besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un d'extérieur à la firme. Mais pas totalement inconnu. Histoire de penser à autre chose qu'à la mission. D'arrêter d'être quelqu'un d'autre pendant un moment. Je sais pas si ça a du sens. Tu voulais pas rester toute seule à cogiter, c'est ça? Avant, je me disais toujours « Arrête tes conneries, Alex, t'es pas du genre à flipper. » Mais... depuis un petit moment, j'essaie d'être un peu plus honnête avec moi-même. Je voudrais juste... être une putain de personne normale l'espace d'un instant. Juste... être moi. Juste Alex. J'avoue que ça donne envie. Laisser tomber mon costume de merc et plaquer Night City. Hey, mais c'est vrai ça? T'es qui toi en fait? Bonne question. Avec toute la merde qui me tombe dessus ces derniers temps, une putain de bonne question. À laquelle j'ai pas encore de réponse. Dis, tu t'es déjà demandé ce que tu serais devenu si... genre... t'avais pris un autre chemin dans la vie? Je serais peut-être encore sur la route, avec ma famille. Tu veux parler des nomades? Ouais, les backers. Sûrement dans le Midwest à cette époque de l'année, à faire les récoltes de maïs pour mettre quelques édits de côté. Ensuite, de longues conversations autour d'une bière. On ferait pas mieux de rejoindre les Snake Nation? On s'imprégnerait de l'immensité du ciel. Ouais, ou de la puanteur du Tchoutou dans un motel pourri. Ouais. Où ça? À ta santé. Ok, à toi maintenant. Tu serais qui si t'étais pas agent secret et maître du déguisement? Une actrice. Oh, t'as eu aucune hésitation. J'ai toujours rêvé de voir ma tête en grand sur les affiches. Et j'adore les comédies musicales. T'es sérieuse? Je suis vieux jeu, je sais.
Mais ouais, je serai une star de danse sensorielle. Y a un rôle dont tu rêves ? Norma Desmond dans Boulevard du Crépuscule. J'imagine que ça te dit rien. Absolument rien. Pas étonnant. C'est plutôt ancien comme film. J'ai un faible pour les personnages tragiques. Et en plus, ça me fait un peu penser à moi. Aucune de nous deux ne sait quand lâcher prise. À ta future carrière. Je sais que tu peux y arriver. Merci, V. Vraiment. Oh, j'adore cette chanson. It's never what it seems when it's all I'm ever missing. And it feels as though I'm waiting. And I don't need no head in my hands to know I'm ever heading way south. Tu fais pas ça souvent, je me trompe? Enflammer la piste? Pas vraiment. Comment t'as deviné? Oh, je parlais pas de danser, mais t'inquiète. On te verra bientôt sur toutes les affiches de DS, j'en suis sûr. Mais avant ça, la retraite. On se voit bientôt, V. Bon, bah c'était cool, on a pu apprendre un peu plus sur Alex. Salut, j'ai reçu la clé de cryptage pour Caron Exotix. Beau boulot. Une dernière chose, V. Il te faut du nouveau chrome. Un implant pour recevoir des empreintes comportementales. Je t'envoie les coordonnées d'une clinique. La doc est prévenue de ton arrivée. Il y a la charcutoc que tu sais qu'elle collectionne les objets de la guerre d'unification. Elle saura que tu viens de ma part. Ouais, mais avant de faire cette mission-là, je vais d'abord finir celle-là. Une bonne fois pour toutes, comme ça c'est fait. 2 km. Ouais, non, on va prendre le téléporteur, c'est mieux, je pense. Hmm.
Bon. Ouais, mais ça me donne... Ça... Attends. J'ai une idée déjà vue, là. Ah, dégueu. Je devrais jeter un coup d'œil. Ok. Alors compliqué de trouver Brie là. Bougez pas. Wow. Brie, c'est ça? C'est Hans qui m'envoie. Il fallait venir à la tombée de la nuit. Vous avez la carte. Ne faites pas un pas de plus! C'est ça que vous vouliez? Ah. Oui. Désolée, mais... Vous savez, je dois être prudente. Bon, donnez-moi la carte, on va entrer. On ne devrait pas rester à découvert. Vous en faites pas un peu trop au niveau prudence? Est-ce que vous m'écoutez au moins? Oui, oui, on y va. Eh ben. Ok, voyons voir si ça marche. De ce que je sais, personne n'est entré ici au cours des 10 dernières années, et les systèmes datent de 2013. Croisons les doigts. C'est bon. Certains systèmes de sécurité sont peut-être toujours actifs, alors passez devant. J'irai nulle part tant que vous ne m'aurez pas expliqué certains trucs. Hein? Je vous fais pas pour poser des questions? Mais, ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous allez chercher quoi là-dedans, exactement? Eh ben, si les fichiers que j'ai empruntés à Militech sont à jour, le labo à l'intérieur regorge de secrets. Je vais mettre la main dessus. Et vous les voulez parce que... Vous êtes bien curieux. Comme toutes les corpos, Militech a des cadavres dans ses placards. Et ce labo, c'est un placard. Netwatch, ça fait des années qu'il recherche ces cadavres. Moi, j'essaie de couvrir toute cette histoire. Et voilà où on en est. À nous courir après. Maintenant, entrez, vérifiez que c'est sécurisé. Il y a des tourelles, mais elles sont déconnectées. Venez. Merde! La carte ne marche pas. Attendez, laissez-moi voir s'il y a un autre chemin.
être là. Allons-y. On a eu de la chance pour l'instant. Votre visage! Le scanner ne vous a pas reconnu. Putain de merde! C'est bon, RAS. Bon, au moins on sait que la sécurité fonctionne toujours. Continuez comme ça. Bon, c'était chaud. On y est presque. Tout le temps. Nous y sommes. L'ordinateur central. L'hôte. Il y a même des fichiers datant de la troisième guerre des corporations. Ouais, Militech était en panique totale. Ils essayaient d'empêcher Arasaka de leur voler la vedette. Oh, merde. Les plus anciens sont cryptés. Attendez. Il y a des vidéos plus récentes, datées de 2068. Ça doit être à ce moment-là qu'ils étaient revenus. Tenez, regardez ça. J'ai pas que ça à faire, vous savez.
Ces enfoirés. Ils essayaient de redémarrer le projet. Vous avez entendu? Il voulait percer le mur noir. C'est plus gros que ce que je pensais. Militech qui utilise une IA rebelle pour améliorer son vieil armement, c'est du lourd. Ouais, Militech avec un genre d'arme secrète. Les gens le disaient depuis un bail. Ça, et des trucs comme Mardi, c'est la fin du monde. Bartmo s'hiberne dans un frigo. Ils sont pas les seuls à avoir essayé de contacter des IA du mur noir. Je vois vraiment rien de nouveau, là. Des Voodoo Boys qui percent le mur noir, c'est une chose. Mais une des méga-corpos les plus puissantes au monde qui transforme une IA rebelle en arme, ça, c'est mille fois pire. Quand on apprendra que Netwatch s'affaire à pourchasser des gens ordinaires tout en donnant carte blanche aux méga-corpos, ça va être un tollé. Si c'était vraiment important, on l'aurait su depuis des années. Vous plaisantez? Vous connaissez le tueur d'âme? Imaginez un projet similaire, mais avec Militech aux commandes. Ces trucs changent le monde. Et pas en bien. Ou du moins, pas pour les gens comme nous. C'est bon alors? Prenez ce qu'il vous faut, on s'arrache. Dante? Qu'est-ce qui se passe? Salut, Brie. Putain, c'est qui ce mec? Dante Caruso, agent spécial de Militech. Mais de seconde classe. Laisse tomber, Brie. Qu'est-ce que tu fous ici? Je savais que Brie se cachait quelque part dans le coin et que tu la cherchais. Plus qu'à attendre que le fruit tombe. Merci à toi. J'espère que tu vas pas te mettre à prendre sa défense. Elle a dû te bourrer le crâne de tout un tas de conneries. Brie s'est parlé. Demande-lui. Pour qu'elle me dise quoi? Des mensonges? Raconter des histoires, c'est sa spécialité. Elle t'a expliqué qu'elle écrivait des articles pour nous, pour salir nos concurrents? Ah, je vois que tu commences à piger. Eh oui, Brie travaillait pour Militech. C'est vrai? Oui, j'ai bossé pour eux. Comme ça, je pouvais accéder à leurs archives. Vous devez me croire, il sait que je suis près du but, alors il veut m'arrêter. Un autre problème de communication? Tu sais pas ce que j'ai en tête, mais moi je sais très bien à quoi tu penses, Brie. Une vraie girouette, voilà ce que t'es. Tu manges dans la main de qui en ce moment? Arasaka? Netwatch? L'analyste à qui tu soutirais tes informations, César Mijares. Tu sais qu'ils l'ont buté? De quoi est-ce que tu parles? Brie fait tout ça pour le fric. Le problème, c'est qu'à cause d'elle, ils vont buter tous ceux en lien avec le projet. Toi y compris. C'est ça que tu veux? V, il essaie de nous intimider. Vous voyez bien? Désolé, Brie. Arrêtez-le, V! Ce labo est pas assez grand pour nous deux. Allez-y, tuez-le! Réfléchis. Tu veux vraiment risquer ta vie pour elle? Brie, à couvert, maintenant! Laisse pas le choix, petit. C'était ma mission, obligé de la réaliser, hein. Par contre, je sais pas qui disait la vérité ou qui mentait, mais... Merci, V. Sincèrement. Ce que ce mec racontait, c'est vrai? Sérieux.
Il vient d'essayer de nous tuer, mais malgré tout, son opinion vous intéresse. Oui, j'ai écrit des trucs provocateurs, des articles sponsorisés. Fallait bien payer le loyer. Parce qu'un jour, on se réveille et on constate qu'on vit une vie de merde. Complètement vide de sens. Mais bon, voilà, j'ai réussi. J'ai changé de vie. Je pensais pas y arriver, et pourtant je suis là. Vous allez faire quoi maintenant ? Je publie, et je me prends de longues vacances. Loin, très loin de ceux qui voudraient me trouver. Surtout des corporats meurtriers. Vous m'avez bien aidé, V. Vous pouvez y aller. Je me charge de prendre le reste des fichiers. Désolé, mon vieux. Je savais pas que si j'aurais su, je l'aurais pas sauvé. Hein. Ah, désolé. Comment on sort d'ici déjà ? Je sais pas que tout se passe comme un rappel-moi quand la carte est activée, je transfère les fonds. Comment on sort de ici déjà? J'ai réussi à sortir, tant bien que mal. Bon. Ah, ça s'appelle Farida. Ok. Et merde. Oh putain. Bon les gars. On continuera la suite de la quête Birds with the Broken Wings. Allez, let's go les gars, on va aller à la clinique de Farida. Farida. Voilà, la clinique de Farida. Ok, juste en bas. Elle est dure à elle est dure à contrôler, mais c'est la meilleure bicarbe. Enfin.
Allô? Allô? C'est toi, Farida? Ouais, mais on est fermé. J'ai un truc qui pourrait t'intéresser. J'en doute. Il paraît que tu collectionnes les objets de la guerre d'unification. Entre. Désolée de ne pas avoir été très accueillante. Depuis qu'un avion spatial s'est écrasé près d'ici, je dois redoubler de prudence. Ah, il y a Reed aussi. Content de te voir. Tu vas pas me laisser respirer, hein? Problème de confiance? Je suis vigilant. On doit discuter de Somi. J'ai passé des heures à me retourner le cerveau, à essayer de me mettre à sa place. J'avais besoin de comprendre ce qu'elle a dû traverser pour en arriver à la trahison. T'es pas en position de comprendre, Reed. Toi, tes jours sont pas comptés. Mais je connais la mort. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle est piégée, et je parle pas que de maintenant. Ça fait des mois, putain, des années même. C'est à Myers ce que j'en veux, une mauvaise perdante qui fait tout pour éviter les défaites. Songbird, le mur noir, elle est prête aux pires bassesses pour conserver l'avantage. C'est pas étonnant que Somi fasse confiance à personne, sauf peut-être un peu à toi. Donc Song devrait plutôt te faire confiance à toi, c'est ça que tu veux dire? Je lui en veux pas de se méfier de moi. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais est-ce que t'aurais pu faire les choses différemment? J'aurais pu faire quelque chose. Au lieu de me complaire dans mon exil à Night City, à des milliers de kilomètres de là. Il y a une cellule toute prête qui l'attend en prison. Somi le sait bien, elle est pas folle. Tant qu'elle reste en vie pour voir le soleil se lever chaque matin, c'est tout ce qui compte. Myers a besoin d'elle vivante, ok. Mais je pense pas qu'elle compte oublier ou pardonner l'attentat. Myers lui pardonnera peut-être pas, mais ça veut pas dire que moi je peux pas. Qu'est-ce que tu veux me faire avaler, Reed? Rien du tout. J'essaie simplement de te convaincre. Ok, donc on brise la chaîne que Hansen a enroulée autour de son cou. Et ensuite? On se planque dans un endroit sûr, on lui pose quelques questions, et on trouve un terrain d'entente. Une fois que j'ai les réponses que je cherche, je l'aide moi-même à disparaître. Complètement. Même Myers ne la retrouvera pas. Et tu veux lui poser quelques questions pour... Pour avoir son point de vue. J'ai déjà une idée de ce qu'elle va me dire. Le système l'a brisé et a failli lui coûter la vie. Comme ça a été le cas pour moi. Dans mon cas, il est beaucoup trop tard. Mais Somi, on peut encore la sauver. Tu me vends le parfait petit scénario, là. Mais bon, c'est pas étonnant de la part de quelqu'un qui recrutait des espions. Quoi? Mais non! Putain, écoute-moi! J'ai des contacts en Europe. On trouvera la meilleure clinique. Ils vont vous remettre sur pied et réparer ce qui doit l'être, une fois qu'on aura le remède. Mais je dois d'abord aider Somi. Elle est perdue. Je crois bien qu'elle sait plus ce qu'elle fait. Tu lui fais pas confiance? C'est des merdes de l'autre côté du mur noir dont je me méfie, et de la paranoïa qui va avec. Faut tenir compte de ces deux facteurs. Elle a un autre plan en tête. J'en suis absolument convaincu. Somi m'a contacté. Elle nous disait pas toute la vérité. Elle veut partir.
se retirer du jeu. Elle a prévu de faire ça dès qu'on aura descendu Hansen. Elle va prendre la tangente, quitter Night City. Je te remercie pour ta franchise. Ça signifie beaucoup pour moi. J'ai un truc pour toi. Les plus grands esprits de Washington ont bossé là-dessus. Un brise-glace, une balle en argent contre n'importe quel netrunner. Farida l'intégrera à ton système pendant l'opération. Si tu t'en sers, Somi perdra conscience en moins d'une minute. On doit prendre aucun risque. Et quand elle se réveillera, elle sera de retour à la maison. T'es sûr que ce logiciel marchera? Je doute que ça a été testé sur quelqu'un du calibre de Songbird. À ce qu'on m'a dit, ce programme peut prévoir ce qu'elle va faire avant même qu'elle y pense. Le temps que tu coupes un fil, il en a déjà trouvé un autre. C'est une arme ultra précise, conçue pour échapper aux contre-mesures. Elle pourrait sentir le brise-glace. On parle pas d'une runner à la petite semaine, là. C'est une tech métaheuristique et hyper agressive, mise au point par une véritable armée d'experts. Qu'elle le sente ou pas, n'a pas d'importance. Personne ne pourrait résister à un truc pareil. Surtout seul. Ok. Et je m'en sers comment? Active-le quand vous serez tous les deux connectés à l'ordinateur central. À ce moment-là, Somi sera totalement vulnérable. Elle et toi, vous pourriez juste vous poser et discuter de tout ça? C'est exactement ce que j'ai prévu de faire. Après l'avoir kidnappé? C'est pas le même délire. On a atteint un stade où certaines options ne sont tout bonnement plus envisageables. Là, ce qui compte, c'est de vous sauver la vie. On aura le temps de discuter plus tard. Il est temps que j'y aille. Je te laisse entre les mains expertes de Farida. Ouais, les gars, franchement... Appelle-moi quand tu peux. Compliqué, hein. Compliqué. Après, je sais qu'il y a deux fins dans Phantom... Est-ce que je dois me préparer ou... Quoi? Tu veux que je te tienne la main, peut-être? Non, aucun préparatif. Allez, pose ton queue. Je sais qu'il y a deux fins dans Phantom Liberty, okay. Donc je pense que ce qu'on fera, j'envoie les gars, c'est que je vous ferai les deux fins. T'en voilà. Fais pas, c'est du bon. La fin avec Reed et la fin avec Jay. Les implants de modification d'identité, c'est une tech compliquée, mais l'opération est d'une simplicité étonnante. Pourquoi t'as ouvert une clinique à Doctown et pas ailleurs? Les loyers sont bas, et je siphonne toute l'électricité que je veux. J'arrive pas à dire si t'es sérieuse. Lance ta propre affaire à Night City et reviens me voir dans un mois. On comparera nos comptes. Ok, l'anesthésie commence à faire effet. Tu vois combien de doigts exactement là? Content de te voir en pleine forme. Mm-hmm. T'attends quelque chose de moi? Je veux juste discuter. Et j'ai que toi, alors je vais devoir faire avec. Alors dis-moi, ça fait quoi d'être un traître? Arrête, tu sais que c'est une situation merdique pour tout le monde. Je suis pas là par choix. Oh, au moins, tu te rends compte de ça. Ils t'ont pas eu encore complètement.
sérieux, tu tiens un cracheur. Tu dois le coller sur la tête de quelqu'un et appuyer sur la gâchette. Le maître espion et l'agent déchaîné. Une tragédie, une comédie ou les deux? Reed, je comprends. Mais je pige pas ce que tu leur reproches à elle. Disons que je sais très bien d'où ils viennent, tous les deux. Pour elle, sa survie, c'est tout ce qui compte. Mais c'est une putain de bombe sur pattes. Le genre qui va continuer à faire des erreurs sans jamais savoir laquelle va la faire exploser. Quant à Reed, on est pareil, cet enculé et moi. Si j'avais pas lâché l'armée, je serais devenu un autre Reed. On vit et on meurt suivant nos principes. C'est ça la tragédie, V. Quelqu'un doit être victime des bonnes intentions de quelqu'un d'autre. Essaye de pas l'oublier quand tu seras penché sur ce putain de neurodisque hypertrophié. Reed ou Songbird, tu ferais quoi si t'étais à ma place, Johnny? J'y suis à ta place, Pomar, chaque fois que tu fais un choix débile. Mais je peux faire que dalle. Mais là, je te jure, V, franchement, sans déconner, j'en sais rien. J'en ai pas la moindre idée. Voilà. L'implant de transformation faciale est activé. Il te manque plus qu'une empreinte comportementale. Et rends-moi service. Me dis pas ce que tu comptes en faire. Je repasserai peut-être s'il me faut autre chose. J'ai trop hâte. Bon les gars, ça pue, hein. Si même Johnny lui-même nous dit que qu'il sait pas qu'il sait pas quoi faire, c'est que vraiment c'est chaud. C'est vraiment très très chaud. Bon. Bon. Ah, un appel de méchant. Netwatch a envoyé un chasseur et tu es la cible, alors fais attention. Hein? Quoi? Bri Whitney leur a vendu les données de Militech, puis elle a disparu. Maintenant, Netwatch veut éliminer tous ceux qui ont été impliqués. Ce sont les risques du métier. Prends soin de toi, V. Super. Putain, la meuf me l'a mise à l'envers. Bon. Ça devient de plus en plus compliqué, hein. Bon, on va appeler Reed. Reed, l'opération est terminée. V, j'espère que t'es pas trop HS après l'intervention de Farida. C'est le moment d'intercepter les Netrunners et de prendre leur place. Mais il y a un souci. On a plus accès au système de Caron Exotics. Ils ont dû nous flairer. Attends, t'es sérieux? Alors on a perdu leur trace? Pas complètement. Leur dernière position était dans le centre-ville. Ils venaient vers nous. Trouve un poste d'observation près de l'entrée de Doctown. Tu repéreras les runners quand ils passeront pour aller à leur rendez-vous. Ok. Donc là, faut que j'aille directement au point d'observation. Merde. What? Hein? Mais c'est quoi le délire là? What the fuck? Comment ça? J'ai même pas attaqué. Viens chez moi demain. On se boira des brosef en regardant une déesse pourrie. Ouh! C'est vrai que dit comme ça. Ok. Trop bizarre. Bizarre, bon.
Ok, faut qu'on aille au point d'observation. Hop, ce point d'observation qui est à 70 mètres, qui est juste là en fait. Bon, ça va, c'est à côté. Allez, on va attendre. Bon, maintenant va falloir que tu me confirmes quand tu les as en visuel. Scanne les véhicules dans ton secteur. Ils sont forcément dans l'un d'eux. Ok. Tac. Scanner le véhicule à l'intersection. Je vois un convoi avec des gars de Hansen, mais je doute que les runners bénéficient d'une escorte. Bon, je vais continuer d'ouvrir l'œil. Ah, un autre convoi. Ouais, c'est sûrement du soutien qui se rend au stade. Rien pour l'instant. Ouais, ils sont beaucoup là. Hein. Toujours rien. Rien pour l'instant. Il y a une Cortès accidentée qui bloque la route. Ça bouchonne. Mais c'est une caisse trop banale. Ça peut pas être eux. Alors on continue de chercher. Il y a deux motards. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient opté pour des motos à la dernière minute. Ouais, c'est pas leur style. Allez, au suivant. Les voilà. Aucun doute, les deux runners sont dedans. Tu reçois le signal ? Let's go. On les a interceptés. Ah oui. Il reste du temps avant la rencontre avec Hansen. Ils vont s'arrêter. Tu es dans quelque part. Ok, ils se sont garés. Et ils ont quitté le véhicule. Maintenant, ils marchent vers un club. V, tu peux te diriger vers la voiture. Au boulot. Let's go. Avec ma bonne vieille moto, là. Ok. Bon. Là, faut que j'aille là. Est-ce que t'es en position ? La voilà. Putain, Premios comme pièce. Hé, hey, t'es pas là pour l'admirer. Tout roule pour l'instant. Votre attention, ici Captain Z.
Let's go. Je reçois les signaux vidéo de la voiture. Bien. Vérifie tout une dernière fois. Assure-toi que tout est prêt. Appuyez sur pour sélectionner une caméra différente. Ça devrait aller. Laisse-moi juste une seconde. Pourquoi ? Tu fais quoi ? Je modifie la glace. La config actuelle est un peu à chier. D'accord. Mais pas de risque inutile. Là, c'est bon. Pas mal. Maintenant, on attend. Let's go. Nos cibles sont de retour. Elles vont bientôt monter. Il est temps de te concentrer. Kurt Hansen, tu l'as vu, non? Il était grave en train de meurluquer au Sapphire. Que ce soit cette putain de gueule de bois. Ça tourne de partout, dans tous les sens. Qu'est-ce que tu penses de lui ? Et de Hansen, je veux dire. Ok, V, prends le contrôle. Attends, j'écoute un peu ce qu'ils disent. Ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a abattu cet avion. J'admets que c'est plus risqué maintenant. Oui, mais ce travail paie bien. On fait notre part, ensuite on disparaît. Oh, putain de gueule de bois de sa mère. Il a fallu que tu fasses ça aujourd'hui. Je t'avais dit de ne pas ouvrir cette dernière bouteille. Hey, tu m'en sois. J'ai bien la caisse. La voiture! Quelqu'un en a pris le contrôle! Emmerich, déclenche l'alarme! On a besoin d'aide! Et je vais localiser le vecteur. Ok, une seconde. C'est fait! What? Putain, vous les avez butés! Tu t'attendais à quoi? Tu voulais leur scotcher les mains, leur fourrer une chaussette dans la bouche et attendre qu'ils se libèrent pour appeler à l'aide? On n'est pas en train de jouer, V. C'est leur survie ou la nôtre. Et je préfère que ce soit la nôtre. Alex, t'étais au courant pour ça! Pour cette exécution! Évidemment que j'étais au courant. C'est la procédure. J'en suis pas à ma première mission, V. Pas le choix. On doit s'y faire dans ce métier. Si, on joue à ton jeu d'espion à la con, et ils en faisaient pas partie. Ils étaient innocents. C'est pas ce que je dirais de deux criminels endurcis. Ces innocents, comme tu les appelles, ils hésiteraient pas à te dépouiller, ou à te foutre une balle dans le dos.
Vos nouveaux déguisements sont prêts. Mais il faut encore que tu récupères les codes d'accès en leur possession. Et c'est Aurore qui les a. Je suis choqué. Les gars. Putain, c'est vraiment tordu. Tu veux me faire croire que t'as jamais récupéré un truc sur un corps avant ? Vous êtes sûr que c'est elle qui a les codes ? Absolument. Son frère transfère ses souvenirs vers des banques de données externes, et elles ont déjà été volées par le passé. Il prendrait pas le risque de perdre ses codes. Waouh. C'est bon, les codes sont transférés. Franchement, c'est chaud quand même, hein. Je prends le volant. V, active l'empreinte comportementale. Ça marche ? Oh putain, ma voix ! C'est pas mal. Attends, c'est moi ? Putain de merde. Premios, hein ? Vas-y, essaie un coup, présente-toi. Cette tech fait plus que transformer la voix et le visage. Elle altère la composition biochimique. C'est ça qui affecte le comportement. Les gens se résument aux interactions chimiques dans leur cerveau. C'est bien ça, un nouveau cocktail hormonal. Ok, c'est parti. Emmerich, Cassel. C'est tout ? Bah, ouais. Bon, au moins, on dirait lui. On peut avoir l'impression d'être en plein trip au début, mais tu vas t'y faire. Prends un instant pour te concentrer, après on y va. Hansen nous attend. Alex, j'y pense. Ce sera notre dernier OP ensemble. J'ai pas oublié notre accord. Myers l'a approuvé. Une mission diplomatique à durée illimitée. Une belle retraite anticipée. Merci à toi, Reed. T'appréhendes pas un peu ? Si. Un peu. Mais... je sens qu'il y a un mais. En fait, c'est surtout que... ça me manquait. Tu es prête, Aurore ? Oh ouais, putain. La tech marche trop bien sur toi, t'as exactement sa voix. Bon, ok, on s'y met. Direction le stade. Je t'y retrouve. La caisse, elle est incroyable. Par contre, je suis choqué, hein. Choqué de ce qui vient de se produire, par contre. Je te rafraîchis un peu la mémoire avant qu'on arrive. N'oublie pas, tu t'appelles Emmerich Cassel. Je vais te dire mon petit secret pour être quelqu'un d'autre. Il y a trois questions que tu dois te poser. De quoi il a peur ? Qu'est-ce qu'il veut ? Et c'est quoi son plus grand secret ? Ouais. Pigé ? Pas la peine de répondre. Garde ça à l'esprit. Et sois lui. Alors, dis-moi, Emmerich. Fais gaffe ! Il est une conséquence, un effet secondaire. Une machine de guerre créée par de nombreuses batailles. Oh, putain, un philosophe. Mais, plus important encore, les gens comme Hansen ne souffraient pas des millions s'ils étaient prévisibles. C'est un homme aux multiples facettes. Nova, c'était excellent.
Nickel. Nous y voilà. La tanière du loup. Et en position. Prêt pour la phase suivante. À plus tard. Let's go. Qu'on y aille, oublie pas. C'est lui qui veut un truc qu'on a, pas l'inverse. On est là pour lui vendre les codes d'accès à l'ordinateur central de Sinosure. Tiens-toi-en au fait. Garde en tête qui tu es et qui tu n'es pas. Appuyez sur V pour afficher les informations importantes et sur une lettre d'honneur pour qui vous faites passer. Hansen nous attend. Ok. Ouvre l'œil et garde la tête froide, Aurore. Considérez son corps comme un temple. Évitez l'abus de drogue. Évitez l'abus de drogue. Collectionneur de voitures, fortement allergique aux fraises. Ok. Tu crois ça? Double effectif à tous les postes. Hansen est tout tendu. Je sais pas pourquoi. Ouais. Pareil pour Murphy. C'est contagieux. C'est une zone sécurisée. Ça tombe bien vu qu'on a rendez-vous avec le colonel Hansen. Maintenant. Un petit instant. Bien, vous êtes là. On se connaît pas. Je m'appelle Murphy. Alors, voici donc votre fameux stade. Exact. Ce monument de BM et de Petrochem dédié au sport sanglant est aujourd'hui une plaque tournante du commerce mondial. C'est tellement américain. Le colonel est déjà là ? Ouais. Il vous attend. Fantastique.